Salut les gens et bienvenue sur la chaîne Cospio Studio, je suis Cospio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Bridge Constructor. Où en étions-nous ? Dans l'épisode précédent, nous avions terminé l'île The Ridge, visiblement, et aujourd'hui on va se lancer à la conquête de Eastern Mainland. Et c'est parti ! Allez ! Oh, c'est là, t'as tout petit pont ça ! Que en bois ! Oh, on revient au basique ! Ouh, même les voitures, ouais non. Bon bah j'étais trop optimiste. Ça bougeait pas mal en même temps. Bah bon, je pense savoir ce qu'ils nous veulent. Hein. Ils veulent qu'on fasse un truc un peu plus proche de ça, quoi. Oula non. Non, ça rougit. Bon, c'était un peu audacieux. En même temps, ils veulent un pont qui coûte pas très cher. Après, un camion, c'est pas super haut. On peut imaginer peut-être faire un truc comme ça. Qui nous libère des fonds pour faire un truc comme ça. Voilà. On est quasiment au budget. On n'aura pas de bonus là-dessus. Mais je pense qu'on peut difficilement faire plus rigide comme pont. Avec le budget alloué et le matériau que nous pouvons employer. Oh, mais... C'est simple, en fait. Ah, cette fois-ci, on a le droit à de l'acier et du bois. Très bien. On va déjà mettre un tablier en bois, parce que c'est ce qui est le plus efficace à mon goût. Ah, et si on faisait une arche comme on avait fait dans notre niveau. Hop. Jack, j'ai un doute que ça fonctionne. Oh, homme de peu de foi. Oh là là, j'ai eu une vision, je l'ai réalisé. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ça qui est beau. Les astres se sont alignés. Ouh là, on a de la corde. Est-ce qu'on ferait pas une petite passerelle? Oh, j'ai envie juste pour le fun de faire une passerelle. Et voilà, voyons voir. Oh là 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 là. Ça rougit, mais ça ne rompt pas. Hein. Là, c'est quand même vachement rouge. Hein. Mais c'est le rosebud du jeu, hein, quand on regarde. Alors, et si on essaye de faire sans utiliser cette petite astuce. Voici un tablier somme toute classique. Après vérification, on verra que, oui, effectivement, le pont ne fonctionne pas. Je n'ai pas encore employé d'acier, mais on a des cordes. Voilà, que ça donne quoi? Ah, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. J'ai plus de sous, on rentre dans le dilemme. Un bon point à tous ceux qui ont dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je mets que des câbles, il se passe quoi? Voilà. Ça tient pas. Si, mais on sent que ça sert à rien d'envoyer un camion. Rien qu'un oiseau qui se pose au milieu, le truc s'effondre direct. Ah, mazé de mazout. Ça, c'est du pont super dégueu. Et qui coûte cher en plus. Regardez-moi ça, le prix, comment il défile. Pour un résultat totalement nul qui se casse. Chuck, faire un truc joli comme ça. Genre un joli arc de cercle. Ah, joli, joli, ça a quand même un peu plus de tronche que ce que j'ai fait juste avant, non? Quand, il faut quand même l'accorder. Il y a un point blanc là. J'avais pas vu, mais il y a carrément un point blanc ici. Il y en a un autre côté aussi. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas dézoomé. Oh là 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 là, ah oui, mais ça ouvre des portes ce truc là, bah oui, carrément. Allez, roule, accélère, vite. Oh, ils sont pas assez rapides. Ah, c'est compliqué. Si on met un câble comme ça, ce serait pas suffisant pour tenir le portique. Mais carrément. Après, je sais pas si le câble va tenir. Non, ça tient pas. Oh, c'est pas drôle. Oh, le truc se replie, c'est marrant. Bon, voilà un design un peu audacieux. Mais vu que la poutre du milieu n'arrête pas de casser, bah je l'ai viré. Voilà. Et j'ai remplacé le tablier par de l'acier, comme ça au moins, ça cassera pas. Ah, pas là en tout cas. Mais hé, regardez-moi ça. C'est comme le roseau, il ne plie pas. Enfin, il plie mais ne rompt pas. Alors ce design, trop stylé. Et c'est validé! Oh, il y a un bonus! On va aller voir tout de suite de quoi il retourne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a de l'acier, du bois, et on doit faire un pont au-dessus de cette immensité! Oui, vous allez me dire, c'est un peu une passerelle dissimulée, t'as mis des câbles partout et tout. Oui! Ah oui! Oui, c'est un peu le principe de la passerelle dissimulée, je vous le cache pas. Bon, qu'est-ce que ça dit déjà, si on part sur ça? Ça dit que ça bouge beaucoup et que ça casse dans tous les sens, c'est génial. C'est génial. En même temps, la passerelle, ce qui fait son efficacité, c'est le fait qu'elle soit courbée. C'est pas bête, ça.
estimer l'efficacité de la passerelle, c'est qu'elle est courbée. L'efficacité de la passerelle, c'est qu'elle est courbée. Je vous reprends juste après. Bon, voilà le résultat. Eh oui. L'idée m'a traversé l'esprit, c'est si on rabaissait le pont afin d'obtenir un semblant de passerelle, mais qui a un peu plus de tronche. Donc voilà ce que ça donne. J'ai renforcé un peu aux endroits où je pense que ça va tirer, parce que le pont va se déformer. Regardez, on le voit tout de suite. Les camions passent sur le pont, ils se déforment. Wink. Wink. Et là, les câbles ici sont sollicités en traction, parce que les deux moitiés forcément veulent basculer chacune d'un côté. Et les efforts sont envoyés à la fois dans les câbles et dans le pied, ici. Oui, puis regardez-moi ce jump à la fin, ils sont contents d'être passés, merveilleux. Et c'est une réussite. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Encore une passerelle? Oh mais non, on a dit qu'on arrêtait avec les passerelles. Ah, c'est marrant, ça faisait des zigzags. C'est marrant comment ça faisait des zigzags. Je sais pas si ça a marché, je tente un truc vite fait, là. Tac. Si ça va casser. Si ça va casser, voilà, ça va casser. Spoink, oh c'est dommage. Bon allez, arrête tes bêtises. Oh si ça passe avec ça. Mais si ça passe avec ça. Ah dommage. Ah c'était tellement improbable. Oh c'est dommage, c'est pas passé. Ah ouais, j'ai 40 000. J'ai 40 000, mais en fait on peut peut-être tenter carrément... tout acier. Là t'étais sympa parce qu'il y avait des pentes vachement raides. Là, pour le coup, il est moins raide. Ah, par contre, ça se déforme, mais c'est insane. Ah, ça passe. Ça passe, mais le pont, il se déforme bizarrement. Et à force de chaque passage, les prochains passés ont intérêt à connaître des prix. Hein, parce que ça va leur être utile. Ah, nickel. Voilà un pont comme on les aime. Ah, on peut mettre un pylône en béton. Oh. Je n'ai plus que c'était aussi grand. Ah, voilà. Que demander de plus? Vous avez voulu un pont, le là. Pourquoi on se prend la tête à faire des trucs de dingue? Et voilà, ça fait. C'est franchi. Bon, je vous cache pas que ça travaille un peu là et là, mais bon. Ah, un petit pont bonus. Qu'est-ce que ça va être? Ah, que en bois. Que de la boiserie. Ok. Mais j'ai envie de faire un peu le même stratagème, c'est-à-dire aller chercher... Comme ça, on réduit en plus le budget, parce qu'on va chercher les appuis. Au plus bas. Hop. Je suis pas convaincu. Je suis convaincu. Ça n'a pas rougi du tout. Allez, on prend un peu de vitesse. YOLO. Il faut prendre de l'élan, sinon tu passeras pas. Allez, vas-y, accélère. Pourquoi ça a cassé? C'était si bien parti. On va doubler ici, on verra bien ce qui se passe pour le reste. Il perd un peu en charme, le pont. Mais bon, le jeu, c'est que ça tienne. Je crois qu'il va falloir qu'on double aussi notre pylône, non? Ah non, c'est bon. Bah voilà! Que demander de plus? On aimerait un petit saut sur la fin. Ils sont contents. Et enfin, le dernier pont. Qu'est-ce que ça nous réserve? Acier et bois. D'accord. C'est joli, mais ça tiendra pas. Ah! Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Genre un truc comme ça, sur un malentendu... Sur un malentendu, ça casse. Ça cassait pas avant. Hein. On a rajouté plus de poids que de résistance, donc c'est pas intéressant. Et encore sur un pont avec des oreilles de chat. Ah oui, le budget par contre, il est un peu court. Hein. Tac, ah, c'est pas mal, sauf que tout est renvoyé ici, quoi. Tout. Bon, et si on faisait plutôt l'inverse, c'est-à-dire en gros une arche en métal qui tient un pont en bois. C'est dommage que ça, c'était marrant. Comme ça, voilà. On reste dans le classique, hein. Pas de grande révolution. On a déjà vu partout des ponts comme ça. Mais bon, au moins, ils font le taf, c'est le principal. Ils rentrent dans le budget, ils restent simples. Simple en même temps, une petite courbure comme ça, c'est toujours agréable. Bon, on va pas finir sur le pont le plus extraordinaire de l'épisode. Mais bon, on peut pas toujours innover, hein. Et voilà, une autre région de bouclée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et partager. Et je vous dis donc au prochain épisode. Allez, à toutes!